Bonjour, bienvenue à la chaîne Découvrir sa destinée. Mon nom est Ursule. Cette chaîne a été créée afin de proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Plusieurs de mes activités ont tourné autour de l'Église et de la Bible. Jeune, j'ai reçu l'enseignement qu'un jour Jésus reviendrait chercher les siens. J'ai eu des expériences ça et là avec le Seigneur. Plusieurs fois, je suis tombée. Plusieurs fois, il m'a relevé afin que je puisse continuer ma marche avec lui. J'ai souvent pensé à son retour, imaginé comment cela pouvait être, à quoi cela allait ressembler, etc. Mais mes réflexions n'allaient pas plus loin. Tout récemment, en janvier 2017, je pense que c'était le 8 janvier, je fus réveillé par un rêve où je voyais écrit en caractères gras Apocalypse 6 et 8, Apocalypse 6 et 7, pardon. J'ai pris le temps de lire le texte et de comprendre le message que Dieu avait pour moi. Quelle ne fut pas ma consternation de réaliser qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'air. Apocalypse 6, à partir du verset 12, parle de la lune qui devient rouge, du soleil qui noircit, etc. Alors que je méditais sur ces versets, le Seigneur m'a fait réaliser que le temps était très proche. Après des heures à prier, et à chercher sa face, je reçus le message du Seigneur que Jésus-Christ est à la porte, mais que plusieurs de ses enfants ne sont pas prêts et se comportent comme s'ils allaient passer l'éternité sur cette terre. Notons que Jésus ne revient pas pour tous les chrétiens ou pour chercher les églises. Jésus revient uniquement pour ceux-là qui l'attendent. Il revient pour son épouse celle qui a une vie intime avec lui, qui soupire après lui. Plusieurs rateront cet événement par inadvertance. Ce sera la grande déception malheureusement. Consciente de cela, cette vidéo a été créée afin de sensibiliser tout le monde à cette réalité. De cet événement, il est dit dans Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas œil qui n'assistera à cet événement. Ce sera l'événement du siècle. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Amazonie, peu importe l'endroit où tu seras, tu seras témoin de cet événement. Et quand bien même tu serais en train de dormir, tu te réveilleras et tu verras le roi de gloire dans les nuits. Oh, quel jour ce sera! Seras-tu de ceux qui attendent ce jour avec impatience? Ou seras-tu de ceux-là qui se frapperont la poitrine en signe de lamentation? Pense-y. J'aimerais néanmoins te dire que, alors que tu réfléchis à tout cela, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore du temps, tant que Jésus n'est pas arrivé, tu peux encore faire partie du groupe de ceux qui l'attendent. Le temps est à la repentance pour tout le monde. appretons nous afin de ne pas être surpris. Le roi arrive, il est à la porte et sa récompense se trouve avec lui, tel qu'il est écrit. Ne traînons pas les pas dans nos préparatifs pour cet événement. Hâtons-nous de répondre à son appel d'être prêts. Il peut venir à tout moment. Soyez bénis.